Voilà, aujourd'hui je vous parle parce que on se connaît à travers des vidéos que je fais chaque jour pour salam alaikum, pour parler de l'Algérie, pour parler de mon installation, de ma nouvelle expérience dans ce magnifique pays. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'installer dans un nouveau pays. D'être accepté comme ça aussi rapidement. Et je vais vous dire la vérité, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et c'est jamais facile de s'intégrer à une nouvelle culture, une nouvelle tradition. Je suis juste un Français qui a la chance d'être marié avec une Algérienne, une Oranaise depuis 13 ans, qui a trois enfants. On a eu trois enfants ensemble et on a décidé de quitter la France pour nous installer en Algérie et plus précisément à Oran pour démarrer une nouvelle vie, démarrer une nouvelle expérience après pratiquement maintenant 10 années d'expatriation et un retour sur 2-3 ans en France pour dire non, c'est bon, on passe à autre chose, on va s'installer là où ça vibrait en fait depuis toujours parce que mon épouse avait quitté l'Algérie quand elle avait 22 ans pour continuer ses études en France et c'est là-bas d'ailleurs qu'on s'est rencontrés et ben voilà. On revient. Elle revient, elle, dans son pays, dans sa ville, et moi je reviens enfin m'installer dans ce pays qui m'a toujours appelé depuis mon mariage en fait. C'est vrai que ça a été assez. J'ai reçu énormément de messages de jeunes et moins jeunes qui veulent revenir en Algérie et ou qui sont déjà en Algérie et qui veulent créer une entreprise, qui ont un projet, qui ont des idées. Et il y en a pour la majorité, enfin, elles sont super bonnes. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent manquer ici, c'est des choses qui pourraient améliorer le quotidien des gens. Et dites-vous bien une chose aujourd'hui, mes amis, c'est que vous pouvez réaliser les choses, vous pouvez réaliser vos rêves. Et je dis ça pourquoi? Parce que parmi ces messages, beaucoup disent oui, mais j'ai pas le financement, oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais. Je sais pas si ça marchera et puis en fait ça se trouve ça va bloquer sur place à cause de l'administration, à cause de ci, à cause de cela. Arrêtez toutes ces croyances, toutes ces doutes et ces peurs vous font déjà un, vous remettre en question et remettre en question votre projet. C'est-à-dire que même si c'est un super méga top projet, de peur que ça ne fonctionne pas, vous n'irez pas. Il y a même des gens qui ont peur de faire quelque chose parce qu'ils auraient peur que ça réussisse et qu'on les jalouse ou qu'on. Leur entourage ne leur reste plus la parole et c'est vrai que ça arrive. À cette question de dire ouais mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas l'argent pour le faire, dites-vous bien une chose, c'est que vous pouvez. Si vous savez ce que vous voulez, vous avez assez confiance en vous, dans votre projet, vous irez jusqu'au bout et vous trouverez les moyens. Personnellement, à un moment de ma vie, j'ai tout perdu. J'ai perdu pour l'équivalent de 2 millions de dollars. Et je dis la vérité, hein, je suis vraiment honnête, comme vous le savez avec lui. Pour 2 millions de dollars de biens, voitures, maisons, bateaux, business, tout ça. Et à cause d'un gros cyclone qui avait eu sur l'île, eh bien, ok, est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que j'ai baissé les bras? Est-ce que je dis c'est bon, c'est mort, je peux plus, maintenant je sais pas ce que je vais faire? Non, j'ai repris les choses en main, je me suis repris en main et j'ai été au bout et j'ai repris ma place dans ma vie, dans mon être. C'est pour ça que aujourd'hui, vos idées, si elles vous parlent, si elles vibrent en vous, dans votre cœur, je vous garantis, allez-y. Vous trouverez les personnes, vous trouverez les circonstances, vous trouverez les opportunités pour les réaliser. Et en Algérie, aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Je vous dis, je ne suis pas payé par qui que ce soit pour parler de ça, mais parce que je crois en ce pays, je crois en son peuple, je crois en l'innovation et l'énergie aujourd'hui, l'engouement qu'il y a pour faire briller cette Algérie qui est là, cette onde verte, pour moi, il y a une onde verte qui va se répartir sur le monde entier et vous êtes les acteurs principaux de cet éveil. Donc, je vous invite à aller jusqu'au bout. Contactez-moi avec plaisir. Si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai, mes amis. Je vous dis à très vite.